Yo. Et bienvenue pour un nouvel épisode sur Darksiders Genesis. La dernière fois, on était. On avait fini le chapitre 4. Et on se dirige tout de suite vers le chapitre 5. Allez, c'est parti. Oui. Capable de scruter par-delà les dimensions pour trouver ce qui ne veut pas être retrouvé. Tu veux qu'on te laisse un peu de temps seul avec cet orbe, Vulgrim? En l'associant au cœur d'Ignescence, nous allons pouvoir traquer Lucifer. Laissez-moi commencer l'incantation. Ah, voici. Pardonnez-moi mon retard, j'ai eu ménage à faire. Je ne suis pas en état de... Ah. J'ai appuyé sans faire exprès, désolé. Et comme je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec le plan qu'a échafaudé Lucifer. J'espère que mon associé du Grimm a été accommodant en absence. Si par accommodant, tu veux dire qu'il nous a envoyé risquer nos vies aux quatre coins de l'enfer pour lui ramener des cailloux brillants? Alors ouais. L'œil a trouvé des traces de l'essence obscure de Lucifer. Il semble qu'il ait rendu visite au démon Mammon. Mammon? Lucifer conspire avec les maîtres de l'enfer? Cet asticot boursouflé. Et si vous alliez frapper à sa porte, cavalier? Peut-être pourriez-vous lui broyer le crâne, de ma part. On n'est pas tes coursiers, Samael. Nous servons uniquement le conseil. Je vous aiderai à trouver les autres maîtres. S'ils ont rejoint le complot de Lucifer, les retrouvés nous serviraient... tous. Commencez par Mammon. Cette alliance temporaire perdurera jusqu'à ce que nous ayons démêlé le complot de Lucifer. Pas un instant de plus. Bien entendu. Bonne chasse, cavalier. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Tout ça, c'est des noms que j'ai déjà entendus dans des films, dans des séries. Samael. Samael, j'ai pas souvenir. Mammon. Moloch. Salut, salut. Forcément, Lucifer. 260. Je suis niveau 246. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. On va dire que ce sera le mode normal plus. La chambre au trésor de Mammon est tout près d'ici. C'est plutôt malin de sa part d'avoir planqué son trésor au beau milieu de nulle part. Le démon est obsédé par les richesses matérielles. La richesse n'est rien de plus qu'une prison. Allez, t'as jamais eu envie d'en prendre une petite poignée pour toi? On nous a confié la mission de préserver l'équilibre. Cet honneur est une juste rémunération en soi. Si tu veux mon avis, préserver l'équilibre, ça nous rapporte vraiment pas grand-chose. Notre cause est une cause juste. Ah, et c'est pour ça qu'on coopère avec Samael dans le dos du conseil. Notre situation est complexe. Plus tôt nous réglerons ces affaires, mieux ce sera. Guerre, le bon soldat devenu mercenaire. Détends-toi. Ça se trouve, ça te plaira. Oui, j'ai pris un peu de temps parce que je voulais voir. Et en fait, non. Je voulais voir s'il y avait du loot ou du truc. C'est quoi ça? Ah, bien sûr que c'était un loot. Il était pas marqué.
alors. Par ici. Il y avait quoi par là? De la lave. Ah, j'ai pas de carte ni rien, donc trop balèze. À moi le loot. Alors. S'il n'y a rien. Alors, là on peut monter, mais je vais aller faire un tour là-bas à gauche. Alors, un ici.
Joli. Alors, oh, c'est gros ça là-bas. Ah bah il m'a tué mais grave. C'est cher pour ça. Ouais. Mais j'irai plus tard. Je voulais voir ce qu'il y avait là. Je crois que c'est la carte. Je crois que j'ai trouvé la carte des lieux. Ah non, c'est un coffre. Ah merde, c'est l'autre de la dernière fois.
mauvaise idée. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il tire pendant la cinématique. Ah merde, c'est le chien que j'ai eu. Non mais c'est pas possible. Bon allez. Ouais, on va essayer de faire plus d'esquive, plus d'attention. Ah non, c'est là. Du loot.
D'accord, ça m'a tué. Ok, fallait que j'appuie sur un bouton pour rentrer. Sorry. Sorry, sorry. Ça fait beaucoup de cages. Non mais c'est quoi ce monstre? Je le libère, je suis sympa. Il m'attaque. Ouais, vilain le chien. Y a rien dedans. Non. Super, je me suis enfermé. Thank you.
la chair fraîche pour la meute. C'est là, il y a un truc, mais je sais pas comment y aller. Il faut allumer plusieurs torches. Ça doit être au début. Vers le début. Alors, torche. Non, j'arrive pas à voir. Hein. Non, normalement ça s'ouvre. Ah! Là, il y en a une autre. Attends, c'était pour guerre? Thank you.
Tac. Ah bah ils m'ont tué, super. Ah bah je suis mort. J'ai pas compris c'était qui le méchant en fait. Enfin c'est le gros mais les autres sont aussi forts. Mais non, j'appuie sur... Bah super. On recommence. J'appuie sur B pour les exécuter et... Et ça me prend le truc par terre, quoi. Je sais pas, j'ai pas le niveau. Putain, tout ce qui m'enlève. Putain, au moment où j'appuie sur B, quoi. Et on se retape ça à chaque fois. Là... C'est chiant, on peut même pas passer là.
cinématique de merde. De quoi les mecs m'ont mis trois coups? Ah bordel de... Je suis coincé. Putain, mon coup il est pas passé pour que ça passe à travers. Oh là 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 là, c'est pas possible. La vie qu'ils enlèvent. Mais non, c'est pas possible. Oh merde, je suis pas mort. Putain, je vais crever. C'est... Faut que je me focus. Faut que je me focus sur le gros. Mais comment je vais faire pour me focus sur le gros alors qu'il y a toujours ces chiens avec lui là. J'appuie sur B pour faire une exécution, mais non. Non, ça va pas. Je me fais défoncer à chaque fois. Je préférais encore l'autre avec la mitraillette. Allez, on y retourne. Je
Je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas que... Je pensais que... Voilà. Je pensais pas mettre autant de temps pour le tuer. J'ai esquivé! Putain, relou quoi! Non, ça va pas, hein. J'ai compris un peu le truc, mais faudrait que je laisse un seul chien. Putain, fallait qu'il... Non, je peux pas rester là. Je peux pas rester là, il me faut un truc assez éloigné. Ah bah ouais, là, c'est plus que dosé, là. Je me fais doucher. Putain, je comprends pas. Tu parles au TDE, c'est un raccourci. Le boss est encore plus dur que l'autre. J'ai esquivé trop tard.
Mais non! Putain, j'essaye d'esquiver, je reste coincé dans l'autre. J'ai envie de faire demi-tour. C'est vrai, j'ai envie de faire demi-tour. J'ai envie d'affronter l'autre avec sa mitrailleuse, je suis sûr qu'il est moins chiant. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour ou j'affronte lui? Super le chat, personne ne me répond. Mes chiens sont en furie. Dévorez mes chiens. Dévorez. D'accord. Qui veut apprendre à faire le tour? Cherchez votre froid. Non, reste pas coincé. Je l'ai eu. Aucun plaisir à tuer ces bêtes. Leur maître, toutefois, est mort trop facilement. Le mec, il a osé dire que ça, que le mec est mort trop facilement. Thank you.
en fait. J'ai fait une quête. Maître chien augmente la puissance du coup de 5%. Ok, j'en ai deux. Je n'ai pas d'autres en fait, ça c'est chiant. Ah si, ça je l'ai, c'est lui que j'ai pas, mais il faudrait que j'ai ça pour pouvoir descendre par là. Ah bah finalement il est là. Donc finalement j'aurais pu faire un seul au lieu de m'en faire deux. Ah ouais, le mec il est sympa, il peut tuer ses amis. Mais je suis coincé. Ascenseur. Manifestement, Mammon a entassé un sacré butin ici. Oh, au moment où j'esquive.
Bon, allez. Alors, ah, ils me disent qu'ici, il y a un truc. Bon allez. De 3 clés pour ouvrir cette porte. Bah j'en ai combien? Apparemment j'en ai pas. Bon allez, on y va. Je vous ai suffisamment fait attendre. On va prendre l'ascenseur. Ça devient de plus en plus tendu, hein. C'est chaud, tout court. Ok. Ah. Coffre. Demandons-lui ce qu'il sait. Tu crois qu'il va simplement tout balancer? D'une manière ou d'une autre. Là, il y a une porte. Ah oui, les mecs qu'on a affrontés tout à l'heure, c'était pas des vrais boss. Alors imaginez devant un vrai boss ce que ça va donner. Le mec qui croit que je l'ai pas vu, non mais... Seigneur, il y a plus d'or ici qu'on en verra dans toute une vie. Qu'est-ce que Lucifer a bien pu ouvrir à Babon? La richesse ne semble pas être complète. On va examiner quelques-unes de ces pièces d'or. Même en prendre une poignée pour notre...
Pas la moindre pièce, frère. Si tu ne veux pas que je te trouve. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu puisses faire une blague comme ça. Bam! Oh, y a pas à dire, hein. Les exécutions, c'est tellement plaisant. Ça me rappelle les souvenirs, ça me fait penser à... aux anciens God of War. Entrez dans la chambre forte et contrôlée. La mode n'est pas idiot. J'ai encore jamais trouvé une chambre forte que j'ai pas refusée. On va y arriver. Exécution. Par contre, ça picote quand même. Que je dis pas de bêtises. Je vais sûrement en dire une, mais... Mammon. Ça me dit quelque chose. C'est pas le fils de Lucifer ? Thank you.
Je crois que c'est ça le... Enfin, j'ai entendu ce nom-là dans... C'est dans quoi que j'ai entendu? Je crois que c'est dans le film Constantine. Attends, c'est quoi toutes ces salles à chaque fois? Je croyais que c'était juste un... Dis-moi, on a bien fait de me réveiller. M'a tué en un coup, hein.
comprends rien à ce stage. Hein. Je croyais que c'était au milieu. Ou... Ah non, je crois que c'est. Je crois qu'il va falloir buter des mecs. Pour qu'après il apparaisse au milieu. Ça doit être un truc comme ça. Bien ce que j'avais compris, je crois que c'est au milieu. Putain, je comprends que dalle! C'est quoi ce délire? Et puis je tombe dans la lave, non mais... Et mon bonhomme il bug parce que ma manette elle bug. Je comprends que dalle, putain. Mon truc, il peut faire que 5. Et si je fais ça?
Bah c'était bon, non? Non, ça s'est pas ouvert. Est-ce qu'il y aurait un ordre ? Bon, ça m'a saoulé. On va aller essayer de tuer l'autre là-bas. Il doit y avoir clairement il y a un truc mais j'ai pas compris. Ah non, le mec il se retourne pile poil sur moi quoi. Ouais, peut-être, ouais. Oh, je suis un bon, c'est pas à dire.
Oh non! C'est pas possible, le mec il se retourne, il te one shot quoi. C'est quoi ce stage? Je me perds. Ah merde! J'ai cru que c'était pour l'exécuter et en fait c'était pour remettre la poignée. Enfin remettre le pont. Je sais pas, je regardais le...
le truc, qu'est-ce que ça voulait dire, mais... pas dire je suis doué hein. Je crois que c'était une salle de loot mais une sorte de salle au trésor. Je vais y aller hein, je vais y aller, vous inquiétez pas. Ah! Je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc. Ça marche pas. Est-ce que ça marcherait comme ça? Attends, déjà.
Ça marche. Ah merde! D'accord. Et peut-être t'en mettre deux. Putain, ça a pas marché. Vas-y, c'est quoi ce truc relou quoi. Ok, super, ça sert à rien. Par contre, là, ouais. Là, je ferais peut-être quelque chose avec ça. Oh, l'épisode de la galère, toi. J'hallucine. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ce truc fait là? Hé hey, qu'est-ce qui t'inquiète? Rien. Des vieilles breloques, c'est tout. On dirait que tu as vu un fantôme. Laisse tomber, d'accord? Allons trouver un truc à tuer. Quand on parle du diable... Thank you.
Oh, les coffres que j'ai oublié, les trucs. Non, mais c'est pas possible. Joli marteau. Ok, j'ai grillé. Ouh, ça pique. Bon, allez. Thank you.
Waouh! Munitions de lave! Putain, je suis revenu là. Ah bah lui, je l'avais même pas vu. Ah ok, super, j'ai cru que c'était le pont qui faisait la suite, mais non. Donc j'ai fait le tour pour rien. Il y a un truc dedans ou pas? On aurait dit, mais non. Tu es silencieux. Tu n'es jamais silencieux. Peut-être que j'ai juste rien à dire. Tu as trouvé quelque chose dans le trésor. Il y a des choses. Des choses anciennes. Quand le monde avait encore du sens. Tu dois effacer le souvenir de ce qui était avant. Souviens-toi de ton devoir. Putain, tu ressens encore quelque chose parfois. Discorde. Tu te laisses distraire. Reprends-toi et continuons à avancer. T'as raison. Plus de distractions. Alors, j'ai envie de dire oui, mais pourquoi? Pour aller où?
aucune idée. Ah putain, je suis con, on vient de là. Je me disais merde, ça me dit rien. Ah, je sens qu'il y a un truc à faire ici. Hein. Mais quoi? Alors j'ai mis là. Est-ce que il n'y avait pas un autre? Il y a là aussi. Ah si. Non, c'est pas ça. Ah non, c'était juste pour ça. J'espère pas.
Ça me saoule. Ça pour ça. D'accord. Deux et puis un truc de lune. Bon, on va voir. Et la porte, comment elle s'ouvre ? Ah putain, oui, ça y est, je viens de comprendre. Je suis un gros faisan. C'était tout con, fallait juste que j'ouvre les yeux, mais non. Alors je sais pas.
Je ne sais pas lequel je préfère. Qu'est-ce que tu penses de ce piédestal? Il doit sûrement faire quelque chose d'important. C'est probablement un piège. Faut toujours que tu sois pessimiste. Vois les choses du bon côté pour une fois, frère. On a eu de la chance. Ouais, c'était incontestablement un piège. Et le monde est un endroit sombre et déprimant. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je... Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que je dois y aller? Mais arrête de viser, merde! Ah, le mec qui s'est explosé, putain.
Donc mon but c'est de revenir au milieu, apparemment. Il est coincé, j'en profite, hein. Ad. D'accord, j'ai mis de la lave à gauche. Faut que je trouve pour mettre de la lave à droite. Ce serait ça le truc. Quand même pas. Non, il y a de la lave déjà. Il y a des trucs à faire avec ça, j'en suis sûr. Je suis désolé, hein, mais je suis perdu. Je suis complètement perdu, en fait. Ça commence à me... Ben, ça commence à me saouler, en fait. Tout simplement. C'est quoi, là? Ils disent qu'il y a un truc. Si, c'est la... Si, c'est ça en fait, il faut que je fasse couler de la lave. Et j'en ai pas trouvé. Ou à moins que c'est moi qui suis... Ça se peut, hein, je suis complètement débile et je suis passé à côté. Mais non. Pas besoin, j'ai ouvert le pont déjà. Ça a l'air ça, je crois que c'est le truc violet. Ah putain, ça fait pas exploser les boulettes là. Ça doit être ça, c'est le seul truc que je vois.
Là, il y a de la lave, mais c'est pas pareil que l'autre. Là, j'ai fait le tour. Si c'est ça, je dois faire couler de la lave ici en fait. Pour que ça coule là. Ça a l'air d'être un truc comme ça, hein. Mais est-ce que ce serait le truc rose là? C'est ça le truc? Parce que si c'est ça. En plus il y a l'air d'avoir quelque chose à l'intérieur. Je sais pas comment le péter. Ah là là, le truc qui était coincé là. Non, ça marche pas. Comment je peux faire? Super.
vois pas comment faire en fait. Ah, j'ai l'impression que c'est bon en fait. Non? Non, j'ai mis qu'une moitié, c'est ça. C'est bien ce que je me dis. Comment faire pour l'autre? Si c'est là, j'en suis sûr et certain, je dois faire couler de la lave. Le fleuve de feu, ouais, bah oui. Mais je vois pas. Je me dis que c'est le truc. C'est obligé que ce soit le truc là. C'est pas mon pouvoir violer. Comment je peux faire? Là, j'ai vu des escaliers juste au-dessus de nous, en fait, là, mais je sais pas, ça mène à quoi. Je suis sûr, ça doit couler de l'eau, non? Eh, il y a un truc là. Comment je peux faire? Ah non, c'est moi qui l'ai jeté. Quel con.
C'est bon, j'ai l'artefact. Ah putain, c'était ça. Si tu tiens la pression sur le piédestal, je vais le faire glisser. Voilà, en douceur. Attends, je suis pas... Je suis un débile. Comme ça. Ouais, appuie juste ta grosse patte d'ours là. Juste comme ça. Presque. Montre-toi, Mammon. Tu ne peux échapper à la justice du conseil. Mortel, guerre. T'as lâché le... Puis je suis... Franchement, je suis un débile. Suppose qu'on est bon pour faire un gros détour pour rentrer. Ouais, non, c'est moi qui avais raison. En fait, j'avais raison, mais j'ouvrais pas mes yeux et du coup... Par contre, ça, gros mystère, hein, franchement.
Abaddon. Ah oui, c'est vrai, je dois poser le deuxième. Ah là là. J'ai moins galéré avec le gros qu'avec les autres qui n'étaient pas un boss. Amon, montre-toi, petite crevure cupide. Ces artefacts, ils viennent d'Eden. Comment Mammon peut-il les avoir? Lucifer, c'est forcément lui. Mais Eden a été condamné. Après qu'on soit parti. Ouais, c'est vrai. On dirait une sorte de rune de cartographie. Elle pourrait nous apprendre où a disparu Mammon. Je parie que Vulgrim saurait s'en servir. Il nous est devenu utile. Je déteste ça. Ah là, on a enfin terminé le chapitre 5. Mes amis. Oh là 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 là. La plaie. C'est tout con. Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est tout con comme stage, mais enfin pas si bon que ça, mais ah quand même un petit peu. Ah bah il est pas là lui. Son trésor, nous avons trouvé des reliques volées à Eden. Lucifer a dû trouver un moyen d'y entrer. C'est troublant. Comme vous le savez, Eden a été condamné après l'invasion des Néphilim. De puissants artefacts gisent encore parmi ses cendres, mais ils sont restés inaccessibles. Peut-être jusqu'à présent. Je vais devoir chercher d'autres informations. Si Lucifer a trouvé un moyen d'entrer dans Eden, l'œil clairvoyant me révélera comment il y est parvenu. On a trouvé cette carte. Ces gribouillages veulent dire quelque chose pour toi? Intéressant. Il semble que Mammon possède une autre chambre forte.
plus grande et encore mieux dissimulée. Ses gribouillages nous ont révélé son emplacement. Nous allons arracher la vérité aux lèvres de Mammon. Et nous allons lui montrer le prix à payer pour avoir comploté avec Lucifer. Cavalier, vous vous croyez impressionnant, mais vous avez tous les deux d'autres choses à offrir. Bien d'autres choses. Ouh, un discours de motivation. Attends, je vais me chercher un cocktail. Le conseil vous a accordé du pouvoir, mais il est limité. Je peux supprimer ses limites jusqu'à un certain point. Mais vous devez le sentir en vous-même. Vous aussi, vous êtes lié à votre passé et à votre culpabilité. Cela donne au conseil un moyen de vous retenir, d'étouffer ce qui brûle en vous, le chaos, la rage intérieure. Je plaisantais à propos du discours, hein ? Qu'est-ce que tu as fait ? Vous ressentez de la douleur. Toutefois, ce n'est pas moi qui vous l'ai infligé. Explique-toi! J'ai simplement ouvert la porte qui mène à votre conflit intérieur, votre haine, votre colère, votre pouvoir. Vous le ressentez, et vous pouvez donc l'utiliser correctement. Comment? Vous le saurez bien assez tôt. À mesure que votre rage grandira, vous pourrez révéler tout votre potentiel. Et vous aurez besoin de ce potentiel pour vaincre Mammon et les autres maîtres qui vous attendent. Bordel! Pourquoi est-ce que je ressens une soudaine envie de tuer tout ce que je vois? Je suis sûr que le conseil sera ravi. Alors, apparemment, on aurait découvert une nouvelle forme. Enfin, un nouveau pouvoir, on va dire. Qui m'arrivera rien. Il m'a dit que je serais protégé. Il a promis. Prenez-le. Nous sommes les exécuteurs du conseil. Tu crois vraiment pouvoir nous acheter avec ces pathétiques? Bien joué. T'as failli me faire peur. Frère, attends. Nous aurions pu l'interroger. Oh, c'est pas faux. Hé, hey, regarde, il est vivant. Heureux? Il a promis! Mon précieux! Ouf! Un vrai combat. Je vais vraiment aimer ce combat. On regarde vite fait, hein. Je pense que Mammon on va le défoncer. Enfin, je dis ça mais non. Mmh.
sont prêts. Ah bordel, il m'a tué. Ah merde, ouais. Non mais là... J'aurais dû faire plus attention. J'ai pas vu ma vie, mais j'avais pas l'impression d'en avoir pas beaucoup pour qu'il me... Je devrais faire plus attention à ma barre de vie.
Allez, tiens le coup. Ouais, quoique si je veux pas dans le coin normalement. De la vie, c'est bon, j'ai l'air bien. Mais c'est lequel le vrai? Ah, c'est lui. Meurs, Mammon, meurs. On a tué Mammon. Enfin, tué. On a pété sa gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Mammon? Plus de tour de passe-passe? Que manigance, Lucifer. Commence à parler, petit fumier, et on épargnera peut-être ta misérable vie. Lucifer m'a montré des trésors bien plus immenses que tout ce qui existe en ce monde. Vos menaces sont ainsi. J'imagine qu'il n'avait pas envie de parler. Tant pis. Tu ne l'aurais pas épargné, quoi qu'il arrive. Ouais. Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Laisse-le. Samael connaît cet endroit maintenant. Il y a probablement de quoi reconstruire son armée 10 fois ici. Et on va simplement le laisser faire? Très bien, d'accord. Allons-y. Mais j'emporte un souvenir. Mammon et non pas Mammute. Accorde 2% d'orbe de santé, de courroux, de parution, de munitions. D'accord. Oh mon dieu, il est revenu à la vie. On a vaincu Mammon. On va aller en parler à... Alors, Mammon n'est plus. Vous avez fait du bon travail, cavalier. Nous ne sommes pas des exécuteurs. La mort de Mammon était... inévitable. Ouais, mon doigt a glissé. Le démon nous a affrontés avec des armes volées à Eden. Nos soupçons sont confirmés. Lucifer s'y est rendu. Mammon et moi étions rivaux. Je ne peux nier que la nouvelle de son destin tragique m'a donné beaucoup de plaisir. Permettez-moi de vous remercier. Fulgrim a continué à suivre la trace du pouvoir de Lucifer. Il semble qu'il ait rendu visite un autre maître. Donne-nous son nom. Notre arrangement te convient toujours. Tu semblais insinuer qu'il n'était pas fait pour durer. On s'est déjà sali les mains. Inutile de les laver maintenant. Quelle parole mémorable. Le nouvel allié de Lucifer est Belial, le corrupteur. Il est difficile d'accéder à son royaume, mais adressez-vous à Fulgrim. Il connaît sûrement un moyen. Je me demande ce que ça va nous coûter cette fois. Vulgrim. Il est revenu. Enfin, vous voilà. J'ai repéré tous les chemins permettant d'accéder au royaume de Belial. Cependant, j'ai encore un service à vous demander. Qu'est-ce
Quelle surprise. De quoi est-ce que tu as besoin maintenant? Dites-moi, cavalier, avez-vous entendu parler de la reine? Tu parles de ce coin de l'enfer où des types se battent pratiquement jusqu'à la mort et endurent des souffrances indicibles pour peut-être, juste peut-être, en réchapper avec leur vie et un prix? Oui. Ah, j'y suis jamais allé, mais on dirait vraiment mon genre d'endroit. Il semble que les maîtres de la reine ont trouvé un talisman rare qui me permettra de trouver plus rapidement les chemins dont j'ai besoin. Ignorant tout de son vrai pouvoir, ces imbéciles l'offrent en récompense. Apportez-moi le talisman et je veillerai à ce que vous puissiez voyager jusqu'au royaume de Bélial. Hé, ça pourrait être marrant finalement. Pour une fois, nous sommes d'accord. Mais hâtons-nous. Il est 18h. 18h... Vu le temps que j'ai mis pour l'autre truc, j'ai peur de... La reine est maintenant accessible depuis... L'antre des serpents. Appuyez sur 1 pour changer les affichages au menu d'arène. À chaque niveau de l'arène, vous affrontez 10 vagues d'ennemis difficiles. Et votre score dépend de votre performance. Plus votre score sera élevé, plus vous pourrez obtenir de récompenses de l'arène. Les différents niveaux de la reine seront déverrouillés au fur et à mesure que vous terminerez les chapitres de l'histoire. À chaque niveau, vous devez affronter une horde de créatures issues de chapitres correspondants. Pour consulter les informations de créatures, un fichier... Merde, je suis obligé de le faire. À mesure que vous remplissez votre niveau de la reine... Votre meilleur score sera enregistré pour chaque niveau. Vous pouvez jouer un niveau autant de fois que vous le souhaitez. Pour améliorer votre score sur ce niveau, vous continuez à collecter et améliorer les cœurs de créatures. Puis Y pour afficher les récompenses de l'arène. D'accord, cœur de créature. Ouais, il y a pas mal de choses. Chaque chapitre de l'histoire et chaque niveau de l'arène comporte des statistiques puissance recommandée. Il s'agit d'une indication générale pour vous aider à évoluer le défi que représente chaque niveau. Vous pouvez augmenter la puissance de votre personnage en équipant des cœurs de créatures et en débloquant des améliorations. D'accord, donc niveau... D'accord... Waouh, 1500. Putain, j'ai pas de nouveau cœur de créature. C'est quoi, démon de l'abysse? Cribleur de légion et démon de score. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fera un truc plus court, mais c'est pas grave. Et puis la prochaine fois, on commencera directement avec la reine et... Ben, on verra bien ce que ça donne.
Donc, bah, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À ciao les amis.